La cérémonie de levée des corps du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, s'est tenue le mercredi 11 mai 2022 à la Grande Mosquée de la Riviera Golf d'Abidjan-Cocody, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, du vice-président, des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Au sortir de cette cérémonie de levée des corps, certaines personnalités se sont prononcées au micro de l'Intelligent TV. Amadou Soumaoro est un grand militant politique, un cadre de l'État de Côte d'Ivoire que nous perdons. J'ai eu à collaborer avec lui dans le combat politique. Je me souviens, par exemple, des combats de 2010-2011, lorsqu'il était vice-président de la Commission électorale indépendante. Je me souviens de ces moments. Lorsque nous avons, à partir de l'hôtel du Golfe, eu les informations de la CEI, il y a eu des interrogations de feu à Madougon, du président Alassane Ouattara, de plusieurs personnes qui disaient, mais Amadou Soumaoro ne peut pas être là-bas et puis il va laisser faire. Ça veut dire que quand il était dans un combat, il y avait la confiance totale qui était investie en lui parce que c'était un homme de loyauté et il conduit ses missions jusqu'au bout. Je pense qu'il a fait sa part, mais c'est à Dieu que nous appartenons. Il a rappelé, prions pour que Dieu accepte son âme, prions pour que sa famille ait le réconfort nécessaire et que nous ayons la force de poursuivre le combat politique. Le décès d'Amadou Soumaoro aujourd'hui, c'est comme si je revivais la mort de mon mari. Je revivais la mort de mon mari. Il a été tout pour moi. Il a été tout pour moi, Amadou Soumaoro. Il ne me refusait rien. Je fais un témoignage parce que juste tout à l'heure, vous m'avez interpellé, mais je suis revenue. Parce que grâce à Amadou Soumaoro, j'ai eu beaucoup de choses dans cette vie. Dieu l'a mis sur mon chemin. Allah Subhanahu là-haut. Je prie, Dieu le Tout-Puissant, pour que Amadou repose en paix. Qu'il repose en paix. Je ne finirai pas de pleurer, Amadou. Je ne finirai pas de pleurer. Parce que c'est le frère de mon mari. C'est le frère de mon mari, la même mère, le même père. Vous imaginez un peu ma douleur. Pour un témoignage, il était très bon. Il était très bon. Il ne me refusait rien. Il ne me refusait rien. Nous étions amis. Au point qu'il m'appelait Massé Domo. Omo, c'est Madame Madougon Koulibaly. Il disait Massé Domo. Et on disait Omo de Massé. Tout le monde dans la famille disait que c'était mon ami. Parce que quand une personne est bien avec toi, quand une personne est sincère avec toi, je pense qu'il faut le reconnaître. Je pense que je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Je ne me suis jamais fâchée avec lui. Quelle que soit la situation, il me fâche pas. Mais après, il m'appelle toujours. Il dit, Massé, viens me voir. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi. Nous avons appris avec tristesse la disparition de son Excellence Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, pour nous qui était un homme exemplaire en termes de fidélité, de conviction et d'engagement politique au sein de notre parti, le RHDP. Il en fait partie des membres fondateurs du RHDP. Pour nous, c'est un coup très dur après la disparition de nos différents premiers ministres, Amadou Gon et Ahmed Bakayoko, venus perdre à nouveau encore un dinosaure du parti. C'est encore un coup dur. Nous adressons nos sincères condoléances au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui perd encore un autre vaillant fils. Adressons nos sincères condoléances à toute la jeunesse militante du RHDP. Nous adressons nos sincères condoléances à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, puisque son Excellence Amadou Soumaoro était le président de l'Assemblée nationale. Et encore nos sincères condoléances à l'ensemble des Ivoiriens. Voilà. Donc c'est vraiment nos mots que nous pouvons dire à chaud suite à la disparition tragique de son Excellence Amadou Soumaoro. Cette cérémonie de levée des corps a été marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran et de la présence de plusieurs
présidents d'institutions, des ministres, des députés et des directeurs d'entreprises décédés. Le samedi 7 mai 2022, Amadou Soumaoro est le deuxième président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mort en fonction après Charles Boza Donvahi, décédé le 2 août 1997 à Marcory.